Bonjour. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez envoyer les examens, les questionnaires ou les réponses ou les deux. Donc, première chose à faire, c'est comme d'habitude, venir sur la page du système d'information qui est à l'adresse si.isae.edu.lb. SI comme système d'information. Donc, si.isae.edu.lb, vous arrivez à cette page. Grâce à votre compte email qu'on vous a donné, qui est nom.prénom@isae.edu.lb, vous vous connectez ici. Donc on se connecte ici et vous allez aller à ce compte. Vous n'en possédez peut-être pas encore un, hein, d'email ou de compte @isae.edu.lb. Je vous propose à la fin de cette vidéo de vous montrer comment vous pouvez le créer vous-même en utilisant l'ancienne application Interface étudiant. Pour l'instant, je vais continuer avec un compte enseignant existant. Je vais maintenant me connecter avec mon email de prof à l'ISAE. Donc, dans mon exemple, c'est x.x@isae.edu.lb. Vous mettez votre password. Donc, si vous avez oublié votre password, vous pouvez toujours nous demander de l'aide en envoyant un email à webmaster@isae.edu.lb. Vous venez de vous connecter, vous êtes enseignant, vous arrivez à cette page et vous remarquez ici à gauche que vous avez un hall d'examen, une application fort intéressante que je vous invite à essayer. Je vous ferai une autre vidéo bientôt si ça vous intéresse. Un groupe email, envoi courriel et groupe email sont à peu près la même application, sauf que groupe email est une évolution d'envoi courriel. Elle vous permet aussi d'accéder aux emails des enseignants qui travaillent avec vous. Etc. Toutes les autres applications, qu'elles soient dans le cloud ou en interne dans notre système d'information. Celle qui nous intéresse pour le moment, c'est Annales d'examen. Donc, je rentre à Annales d'examen en tant qu'enseignant. Vous remarquez qu'il y a recherche, publication, inventaire. Donc, recherche, ça vous permet de rechercher une matière et de savoir si elle a des examens, si elles sont publiées et les lire. Inventaire, ça va vous donner pour une année donnée l'ensemble des matières publiées. Et il faut choisir l'année, bien sûr. Par exemple, ici, 2016-2017, vous allez trouver des matières publiées pour l'année 2016-2017. Et là, on remarque qu'il y en a un peu plus qu'en 2017-2018. Merci Adil, Nourdine, Rachid, moi-même. Donc, pour que vous publiez vous-même, donc vous faites publication. Vous choisissez le semestre, vous choisissez la matière, vous n'avez aucun risque. Si vous choisissez une matière qui n'est pas à vous, vous ne pourrez pas transmettre un document. Par exemple, je vais choisir celle-là, et vous voyez, je ne peux pas faire d'upload. Par contre, vous irez, vous choisirez votre matière. Vous choisirez le type d'examen, partiel, final, rattrapage, spécial. Les partiels 2 et 3, c'est pour les matières annuelles. Si c'est un sujet d'examen, une solution d'examen, ou dans le même document sujet et solution, vous faites OK et vous aurez un bouton pour transmettre le message. Donc si vous avez les droits de transmettre les questions ou les réponses parce que c'est votre matière ou vous en êtes le coordinateur, vous aurez un bouton ici qui est choose. Vous irez choisir le fichier que vous souhaitez. Je ne vais pas le faire maintenant, hein, et vous ferez l'upload en cliquant ici et le fichier sera transmis et dès cet instant il sera disponible en temps réel à tous les auditeurs, tous les autres profs qui rentreront à ce moment-là dans cette application et qui feront l'inventaire. Donc faites très attention de ne pas transmettre votre document avant le jour de l'examen. Hein?
Faisons attention juste à ce point. Je ne peux pas le contrôler techniquement parce que je ne peux pas savoir si c'est un nouveau document, un ancien document. Ce serait d'une complexité extrême. Bon, pour ne pas avoir de risque, transmettez vos questionnaires pour une session donnée après la fin de la session. Aujourd'hui, vous pouvez toujours transmettre les questions de l'année dernière sans aucun risque. Bon fin de semestre et bonne correction surtout. Supposons que vous ne possédez pas votre email à l'ISAE-DULB. Par contre, vous savez vous connecter à l'ancienne manière, à l'interface de l'enseignant, qui était si.isae.edu.lb/intprofesseur. C'est votre ancienne application où vous loguez, vous avez donné un user password à l'époque, sous la forme de prof, votre numéro de prof et un password qu'on vous avait donné. Ici, je vais faire sur l'exemple comment créer mon email à partir de cette interface. Donc, je rentre et si vous n'avez pas encore créé votre email, vous aurez cette interface qui est là. Et c'est très clair, en plein milieu de l'écran, il y a créer mon email. On crée son email et ceci va vous créer un email sous la forme de nom.prénom@isaedulb. Sauf dans le cas où quelqu'un qui a le même nom, prénom que vous, et ça arrive souvent, ben à ce moment-là, on vous demande de rajouter un numéro à côté du nom.prénom. Et à ce moment-là, vous créez votre email. Ce nouveau mail créé par nous aura un password qui est votre password actuel concaténé à is@e. Voilà, qui est ici. Voilà comment créer votre email tout seul.